Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi ce film? Un peu parce que j'ai toujours été un peu attiré, intéressé par un peu les thématiques sociales, peut-être à tendance dramatique, peut-être même un peu trop, mais surtout aussi parce que je pense que c'est un peu inspiré de pas mal de choses que j'ai côtoyées dans ma vie ou que j'ai rencontrées de gens. Et du coup, ça m'a un peu inspiré. Je me suis dit que c'est quelque chose à la fois qui peut être un peu à la limite du réel dramatique, mais tout en étant quand même vraiment ancré dans ce réel. Donc, je pense que c'était assez intéressant de toucher en plus à la thématique de l'adolescence. Et le plan de Miley, c'est plus. On va dire pour la vision à long terme et ambitieuse, où je me suis dit que c'est un prénom qui est très à la mode pour les bébés qui sont nés actuellement, donc je me suis dit peut-être qu'au moins dans 10 ans le court-métrage ne sera pas trop démodé si on utilise un prénom comme ça. Donc c'est un peu une blague à moitié sur ouais, pourquoi utiliser un prénom comme ça, mais parce que je trouve que ça sonnait bien, je cherchais un prénom qui sonnait bien et qui est très actuel de maintenant en fait. Le fait de pouvoir rigoler, partager des moments avec d'autres personnes, avoir un bon feeling et s'éclater, tout simplement. Si je dois refaire, pourquoi pas. Même si c'est avec Florent ou quelqu'un d'autre, oui, pourquoi pas. Ben oui, ça peut me motiver encore plus, oui. Pourquoi pas. Alors actuellement, je suis en recherche d'emploi et si Florent doit faire un autre court-métrage, que je peux y participer ou quelque chose comme ça, ben moi, ça, pourquoi pas, enfin, moi ça me va, je serais d'accord. Clairement, ça a été pour la scène du fœtus. En fait, quand j'ai fait ce court-métrage, j'étais encore en école. Et du coup, j'avais pas toutes les notions du maquillage. Donc, j'apprenais un peu tout. J'apprenais qu'est-ce que c'était un court-métrage, qu'est-ce que c'était le maquillage de cinéma. Donc, j'ai un petit peu tâtonné. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Je suis en train de préparer beaucoup de démos et j'ai quelques autres courts-métrages où je vais maquiller et faire des effets spéciaux. J'ai un site, oui. Du coup, c'est paulinetouet.book.fr. Et du coup, je mets toutes mes photos et bientôt des extraits de courts-métrages. Quand j'ai eu le scénario, je me suis beaucoup identifiée à la fille, en fait, à Maïlys. Et donc, c'était très drôle qu'on me propose de jouer la mère de Maïlys. C'est pas que ça se rapproche de ma vie, parce que j'ai pas été jusque-là, mais ça, voilà, ça me parlait. C'était un rôle qui me tenait à cœur. J'avais l'impression de remplacer ma mère, en fait, de jouer ma mère. Voilà, ce qu'elle a pu ressentir quand moi, j'ai fait ma crise d'ado. Voilà, moi, j'avais du coup les mots de ma mère qui me venaient face à Maïlys, quoi. C'était très intriguant pour moi, c'était super bizarre de voir la petite qui me regardait. D'ailleurs au montage, les bêtisiers, je lui dis c'est magnifique et vraiment je le pense quand je lui dis parce qu'elle est vraiment magnifique comme elle arrive. Et elle bloque, elle merci, alors que c'était pas le texte du tout, mais vraiment c'était drôle, j'ai jamais de fille et là j'en avais une, c'était sympa. Je suis comédienne de formation, mais depuis peu habitée dans la région, donc pas trop de contacts dans le domaine. Mais au cas où, pourquoi pas. Sinon, plutôt la chanson. Mes propres compositions. Alors moi, je joue un marginal. En fait, on est une bande de potes qui... Alors, on vit pas dans la rue, mais on profite énormément du système. Et on finit par rencontrer Maïlys et on finit par l'enrôler un peu dans nos délires et dans nos conneries surtout.
dans notre style de vie. Et j'ai participé au tournage parce que c'est quelque chose, ça m'intéressait parce que ça me correspondait tellement pas. Enfin, le style marginal, le style profiteur et tout ça, ça me correspondait tellement pas. Et du coup, c'était pour moi, pour mon propre travail. Je me suis dit, faut, pour moi, c'était vraiment un travail de composition. Et je me suis dit, faut le faire, quoi. Donc voilà, puis j'ai rencontré Florence, ça s'est bien passé. Et puis après, ça a commencé et ça s'est bien passé aussi. Les projets à venir, c'est peut-être continuer à tourner dans des courts-métrages si j'en ai l'occasion. Et sinon, en attendant, c'est sûr, préparer les grandes écoles de théâtre. Bonne question. Pour des questions très simples, fort probablement de politique et de délai, ou du coup sur la ville de Colomiers, alors que pourtant le film est en majeure partie colomérien, on n'a pas eu vraiment de réponse et de retour et de possibilité d'organisation. On est d'ailleurs toujours en attente de réponse par rapport à cette future projection qui devrait avoir lieu. Alors que la ville de Blagnac à ce niveau-là, et surtout l'équipe du Cinérex, a été très réactive et nous a proposé assez vite, dans des brefs délais, d'organiser une séance, d'avoir le temps de faire un peu de pub et d'avoir cette projection dans une salle qui est en plus super, super agréable et très bien faite, et avec une équipe en plus très sympa. Donc je pense qu'au final, moi techniquement, je préfère le présenter ici au Cinérex que toi comme. On a demandé un peu après, je vais pas dire non plus qu'on a demandé partout parce que je n'ai pas fait les dossiers qu'il fallait pour partout, parce que c'est un travail supplémentaire de producteur que j'ai pas forcément eu le temps de faire, moi en agissant majoritairement un peu tout seul sur ce projet-là. Le peu de demandes qu'on avait fait au niveau départemental ou au communal, au niveau de la ville de Colomiers, n'ont pas abouti du tout. Après, à la base, de toute façon, on a tourné vraiment sur un budget assez limité. Moi aussi, ça m'a arrangé dans cette perspective de pouvoir un peu garder le contrôle de ce que je voulais tourner, de ce que je voulais faire, et de ne pas tomber dans ce système trop contrôlé de comment on a des aides thématiquement ou visuellement, on ne peut pas faire telle chose ou se permettre. Donc au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Après, on va dire qu'on a des équipes aussi qui sont un peu plus peut-être soudées, ou parce que du coup, tout le monde fait un peu tout, tout le monde aide. Je pense que c'est une autre perspective de cinéma et puis il faut dire que les demandes d'aide, tout ça, c'est tout un système qui est un peu galère, et surtout quand on est en région sud où il n'y a pas tout ce qu'il y a à Paris, où on peut avoir des aides plus facilement. Donc on peut dire que c'est surtout entre une volonté et un peu l'obligation aussi. Mais le film s'est très bien fait comme ça. Juste déjà merci à tous d'être venus et d'être présents pour cette séance. Vous allez voir, le film est pas très bien. Mais non. Je voudrais aussi surtout remercier Anne Lopez et Elise Morisset du cinéma qui nous ont permis d'organiser cette projection et qui ont été super actifs et super gentils de nous donner cette possibilité de présenter le film, parce que sinon on attendrait encore après la ville de Colomiers. Merci beaucoup à Anne Lopez et au Cinérex pour nous donner cette opportunité de présenter le court-métrage en public. Après la projection, on va rester un peu, il y aura toute l'équipe technique, les acteurs, donc on pourra faire une petite question-réponse et vite fait aussi vous donner vos avis sur un peu sur le film, ce que vous en avez pensé, tout ça. Donc. En attendant, bonne projection et puis on se voit après. Alors. Faut arrêter, quoi. Ça fait 10 ans que c'est la crise. Au bout d'un moment, c'est plus la crise, c'est la vie, quoi. Au bout d'un moment, c'est la même merde pour tout le monde. Demain. Ta gueule. Ça va, là. Vous auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Ah, on a pas de pièce, là. Arrête tout ça.
oublie ce que ton beau-père a dit. Arrête tout ça et viens à la maison. Non ! Lâche-moi avec ça ! Tu n'as que 15 ans, regarde ce que tu fais, comment tu es ! C'est ça que tu veux ? C'est vraiment ça ? Ben ouais, c'est ça que je veux ! Attends, d'où les mineurs avant le cul, là, haut, t'as l'air. Ah, dégage. Espèce de petite conne, t'aurais pas pu faire attention à... Bon, j'espère que ça vous a plu. Ceux de l'équipe du film, vous pouvez venir à la place. Bon alors, j'espère que le film vous a plu, malgré quelques défauts, forcément. Bon, en même temps, notre on n'avait pas vraiment de budget. Donc, si vous avez peut-être des réactions à chaud, ou des questions, peut-être on peut commencer par des avis déjà, ce que vous avez aimé ou pas aimé. Chose que vous avez aimé, là vous avez le droit de ne pas avoir une autre. Allez-y, je vous en prie. Quand on a fini de voir le film, on se dit, ben, montrez-le à tous les amis. Parce que vous avez réussi à faire ressortir une notion, quelque chose qui, voilà, c'est un court métrage sur une courte durée. On est rentré dedans. Et vraiment, à la fin, c'est une grande émotion et c'est quelque chose qu'il faudrait montrer à beaucoup de gens. Donc bravo à tous, parce que vraiment, vous êtes. Donc tu dis que tu n'avais pas de moyens. Mais moi, je peux vous dire que chapeau. C'est vraiment très, très bien. Surtout sachant un petit peu Florent, dont on a connu un petit peu toute la chronologie de ce film. Et vous tous, voilà, vous pouvez être vraiment fiers de vous, puisqu'on est vraiment rentré dans le film en 23 minutes, chapeau. Merci. Ouais, bah après l'idée serait que. Enfin, moi quand je le revois, ça me fait un peu bizarre, parce qu'à la base, c'est censé être un long métrage, ouais. Que j'avais à moitié écrit, que j'ai condensé pour en faire un court. Donc c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, à la base, il devait y avoir une version de 20 minutes pour présenter à plus de festivals, mais en fait, elle ne marchait pas du tout la version de 20 minutes. Donc du coup on est revenu à 24 minutes et encore, parce qu'à la base on a eu un premier montage, d'ailleurs mon montage n'est pas là en fait. On a eu un premier montage de plus d'une demi-heure, que d'ailleurs j'étais un peu déprimé à devoir couper pas mal de choses. Mais si ça passe, alors tant mieux, ouais, parce que le but c'est avoir ce ressenti. Parce que c'est très difficile de rentrer dedans en 23 minutes. C'est-à-dire que tu commences et puis c'est vrai qu'on est rentré très vite dedans. Bah, si il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup ce que je voulais faire. Éviter un peu cette tradition trop française aussi de juste prendre un morceau de vide et laisser le personnage là, donc je voulais quand même faire une progression, une évolution. Après le problème c'est qu'en 23 minutes c'est quand même un peu difficile, j'étais peut-être un peu trop optimiste sur ce qu'on pouvait faire en 23 minutes, après je pense que ouais, c'est l'idée c'était voilà, avoir un certain point de vue sur certains cas extrêmes de l'adolescence. Donc, si ça fonctionne un minimum, tant mieux, après... Un peu en plus, parce que voir la scène des toilettes, c'est bien passé, le système a réussi à rester un petit peu le côté art et puis le côté émotif, c'est-à-dire que t'as su garder la juste mesure. J'ai fait deux versions en fait. J'avais fait une où justement il n'y a pas le gros plan sur le fœtus, on le voit juste de loin, et je jongle un peu entre les deux versions selon les festivals ou tout ça. Après c'est vrai que c'était un choix. Moi, j'ai fait le choix d'aller dans ce choix-là extrême aussi, justement, pour continuer un peu dans cette perspective de peut-être de choquer aussi gratuitement, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un peu ce qui marche aussi à notre époque, et quitte à être dans cette scène où on a passé deux minutes avec elle qui nous tue les tympans parce qu'elle risque toutes ses tripes, autant aller jusqu'au bout et balancer voilà, le fœtus qu'a fait notre chère amie Pauline. Elle a très bien maquillé, donc ouais. Mais il y a quand même une version un peu plus soft où vous n'oubliez pas le fœtus, mais on va dire que c'est pas celle que je préfère. En tout cas, merci encore d'être venu et je vous aurai quand même apprécié.
Moi j'ai bien aimé, c'était bien sympa. C'est la première fois que je viens voir un court métrage ici. Donc je savais pas comment ça allait se passer, puis j'ai bien aimé finalement. Surtout la scène de l'avortement, j'ai trouvé ça vraiment, c'était vraiment à la limite du supportable et je trouve que c'est le point fort du film. Vraiment trouvé le film très bien, superbe, de belles images, belle interprétation, bien filmé, voilà. Voilà, je me suis régalé. Oui, moi j'ai très bien aimé, c'était très bien joué et parfait aux acteurs. J'ai apprécié ce film, c'est vraiment, les acteurs m'ont vraiment touché, on sent qu'il y a de la graine d'acteurs, surtout l'actrice principale. Et un autre jeune homme que j'ai remarqué, je pense qu'ils ont intérêt à continuer. Et le film est super bien réalisé, avec le point fort qui est la scène finale. Vraiment, il fallait oser. Chapeau à Florent, à New York. À la base, moi, je suis un passionné de cinéma depuis toujours. Et je me suis orienté très tôt vers une carrière en audiovisuel avec une option dès le lycée. Après, je suis parti faire une formation vraiment technique aux États-Unis où j'ai appris et où j'ai fait un peu mes armes, on va dire, sur les premiers courts-métrages. Qui, bon, maintenant, avec le recul, ne sont pas si bien que ça, mais il faut bien se former et se faire, comme on dit. Après, de retour en France, on va dire que dans la région, c'est un peu difficile de travailler à ce niveau-là sur en fait, tout ce qui est cinéma et il n'y a pas grand chose. Du coup, je suis parti à l'étranger où j'ai pu m'exercer en tant que caméraman et monteur vidéo sur des documentaires et faire pas mal de projets. Pour le court-métrage, ça s'est super bien passé. En dehors du court-métrage, j'ai pas fait de théâtre ni de comédie. Donc c'était une première pour moi. Et autrement, à part ça, tout s'est bien passé. Il me tardait de voir le court-métrage. Alors, Florent m'a encadré professionnellement vraiment bien, très perfectionniste, si je peux dire ça comme ça. Après le court-métrage, ça s'est super bien passé. Le feeling, il est passé avec tous les acteurs. On a passé une semaine vraiment extraordinaire, même si c'est plus que ça. Et si c'est à refaire, franchement, je le referai, même si c'est avec la même équipe ou d'autres personnes, je dis oui. Comme j'ai dit, en fait, c'était la première fois que je participais à un court-métrage, donc j'étais un peu plongée dans le grand-père sans trop savoir comment ça devait se passer, ce que je devais faire. Je me suis sentie très bien encadrée. Il n'y a pas eu de soucis sur ça, tout était clair, tout était... Alors moi, je suis étudiant au Conservatoire de Toulouse, donc dans la classe théâtre. J'avais déjà fait des courts-métrages, mais c'était toujours en relation avec l'école, puisqu'on est, en partenariat avec l'ESAV, donc l'école de cinéma. Et à chaque fois que les étudiants proposent des courts-métrages pour leurs professeurs, souvent quand ils vont chercher des comédiens, ils viennent un peu fouiller dans la classe conservatoire pour voir qui prendre. Donc j'avais déjà fait des courts-métrages, mais jamais un court-métrage comme celui-ci. Un court-métrage plutôt, enfin, forcément plus long que ceux que j'avais fait auparavant. Florent est vraiment quelqu'un de très professionnel, qui sait déconner, mais à la fois qui sait remettre les choses à terre et dire non, là faut qu'on bosse, on arrête de déconner. Et du coup, c'était hyper bien de travailler avec lui. C'est quelqu'un de très gentil aussi, il y a vraiment eu le feeling avec lui, avec toute l'équipe, que ce soit les acteurs ou ceux qui la maquilleuse ou la photographe, enfin, vraiment c'était... Non, ça c'est vrai, il y a vraiment eu un très 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 bon groupe, une très très bonne alchimie entre nous tous, et ça s'est vraiment super 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 bien passé, quoi.